Attends-moi un peu dans le 14 février. 14 février, date à faveur de laquelle vous êtes en Côte d'Ivoire pour des représentations. En même temps, loin de votre famille. Oui. Ça fait quoi d'être aussi loin de sa famille pour un jour aussi spécial? Déjà là, ça fait 2 mois que je ne vous ai pas vraiment assez vu. Et du coup, quand je suis revenu de Guadeloupe, je suis rentré, je fais 15 jours à la maison et puis je suis venu ici. Il y a les enfants, ils attendent, comme j'ai prolongé un peu pour satisfaire mes fans. À la maison ou au Congo? Au Congo, hein, les enfants, ils déclarent, papa, t'es pas là, tout ça. Mais bon, c'est le travail. Hein. Ferré, là, combien d'enfants? Attends, mais avant de poser la question de combien d'enfants... Ferré, il a les enfants, je précise. Selon certaines indiscrétions, Ferré Gola a un tatouage. Avec des noms. Des tatouages, pardon. À toute une liste de noms gravés de l'épaule jusqu'à son avant-bras. Mmh. C'est toute la famille, ce sont les enfants. Ouais, des enfants. Je vois Faliane, je vois Mégane. Ah, c'est des séparés de son cou, hein, oui. Jusqu'à son avant-bras. Satya, Mégane, Taliane. Ça prend José, juste un bras. Ozias, mes enfants, oui. Combien d'enfants? Pourquoi préciser? Bah j'ai des enfants. On espère qu'il y aura assez de place. Il y a encore. Encore quoi? Des enfants ou de la place? Il y a encore de la place, donc les enfants peuvent arriver. Il y en a encore, oui. Il y en a encore. Non, je suis contente de savoir ça. Mignon, je trouve ça mignon parce que pour quelqu'un qui n'est pas... Parce que comme je suis encore là, donc je peux dire j'ai 2, 3, 4, mais je suis encore. Et puis peut-être que je n'ai pas encore fini de faire des enfants. Il n'y a pas d'Ivoirien dedans? Ah non, ça non, je n'ai pas d'Ivoirien. Ah bon, ça non. Tu ne te projettes pas? Et toi? Tu ne te projettes pas au Congo? J'aime bien. Ah oui? Ah oui? Bon, ça te projette au Congo? Non, pas sur le coup. Mais comment prend votre épouse concernant vos déplacements, vos absences? Elle est là vraiment... En fait, elle me soutient beaucoup. D'accord. Par rapport à mon travail. C'est comme l'administratrice de la maison. Et puis, pour mon travail, je pense que non, elle m'aide vraiment beaucoup. Et grâce à elle, il y a certaines choses que j'ai fait, c'est grâce à elle. C'est elle qui organise des voyages. Si je vais aller quelque part, lui, il réserve tout. En fait, c'est elle qui fait tout. Elle écrit mes chansons. Vraiment, elle m'aide beaucoup. D'accord. Et je la remercie. Mais comment elle fait, elle? Avec un artiste aussi adulé, plébiscité, demandé par la gente féminine, dès qu'il ouvre la bouche, les femmes sont trans, elles veulent se l'accaparer, le toucher. Comment elle fait pour surmonter tout ça? Comment vous-même vous faites d'ailleurs? Pour ça, elle assure. Tu sais, il faut respecter. Hein. Moi, je respecte tout ce qui est des normes familiales, et je les respecte. Et elle est habituée, en fait. Elle est habituée, fait quoi? Ça fait 16 ans qu'on est ensemble. Elle est habituée de ça, donc elle sait très bien que non, j'ai... Son mari l'a surpassé, tout ça, là. Et elle s'appelle comment, votre Elle s'appelle Cécile Carpentier. Cécile Carpentier. Permettez-moi de vous poser la question. La fidélité, vous êtes fidèle? Oui. Vraiment? Oui. Si ce n'était pas le cas, vous le direz sur ce plateau? Peut-être. Non. Les clips vidéo pour les artistes, généralement, il y a toujours des filles assez sexy à côté et tout ça. C'est beaucoup de tentations aussi, hein. Et puis... Ouais, du coup, moi, c'est... La majorité, c'est ma femme qui choisit les filles que je vais tourner. Ah, d'accord. Celle qui dirige le casting. Voilà, c'est elle qui dirige le casting. Elle est forte, hein? Ah ouais, elle est forte quand même. Elle est forte, faire c'est ça. Elle qui dirige le casting niveau réseaux sociaux. On a des community managers, mais elle aussi, dans son côté, elle fait quand même quelque chose.